La galoche, bigouden. Bigouden. Et alors le jeu consiste à... Ça a touché la galoche, c'est des pièces qui touchent la galoche et puis il y a un lipper dessus, là, la pièce. Là. Alors il faut que le lipper soit plus près de la pièce que de la galoche pour gagner. T'as intérêt à bien jouer, Jean. Hein. Ça se consiste à jouer à 15 mètres d'un petit à l'autre. Le petit se trouve dans un rond de 42 cm de diamètre. Et le plus près du petit qui gagne le point. Et une fois que et c'est celui qui tape sur le petit sort du rond, la partie est à refaire. Et c'est des palets qui pèsent environ 230 grammes à 70 grammes. Quoi. Et dans l'ancien temps, ils jouaient avec des palets en fonte de 220 grammes. Et maintenant, c'est des palets en acier. Et donc, on va faire la course au meunier. On va faire une petite pause pour la lancer de la route de paille. Allô, encore après. Donc, pour la course du meunier, on va démarrer. La course à la botte de paille, amateur, professionnel, il y a trois ronds. Nombreux. Allez, allez. Alors c'est l'occasion où chacun peut s'exprimer. La course, je disais la botte de paille, la course du meunier. Voilà. Dans l'Urbouest, va à Khein, à Berck. C'est le dernier là. Et on va y voir tout de suite pour la... Comme disait Pierre de Coubertin, l'important c'est de participer. Alors, le plus délicat, retour. Le retour, il faut être en forme pour le retour. Entre chaque des trois premières rangées, venir au départ. Il va la course, il faut revenir. Ok, alors je vais donner le départ. 4, 3. À la terre, et un petit peu plus, mais télévision qui est là. 3, ça va de la haute, remonte, la tour descend. Bravo. Oulure-Warnugen, à Ganel, Triverlure. Le manque de longueur, eh bien, on met un poids plus lourd. Ce qui fait qu'il n'y a pas de référence au niveau des enregistrements des performances. Yves a bientôt 50 ans, pourquoi les jeux conservent assez bien. Ah, le quiz, ok. Allez. Tom, goul vilake et nage farpen. Et que m'a dit ou noix. Combien au bout de la perche? On est à 19 kg 4.
telle hache qui était plantée au bout. Et à ma connaissance, j'ai jamais eu d'accident. Et pourtant, ça se passait dans les conditions, il n'y avait pas que le temps qui était chaud. Et... Voilà Jean-Yves Rioux qui progresse tous les ans. Et c'est certainement le jeu de technique et de force. Parce que la meilleure des techniques, bien sûr, consiste aussi à s'économiser. Et ce n'est pas seulement l'effet poids, mais en plus l'effet répétition. Bravo. Là, il faut tirer dessus. Démonstration de force. Un cube de béton de 200 kg pour l'échauffement, et ensuite un de 250 kg. Et puis là, une fois bien chaud. S'il vous plaît, les enfants, restez. Si tout le monde se met sur un petit cercle, il y aura seulement 20% qui verront quelque chose. Et puis de foot, et vous verrez aussi bien de toute façon. Tout le monde verra mieux. Le cube de béton est un peu plus grand qu'une bille quand même. Donc vous verrez bien. Reculez encore un peu. Allez, allez, reculez, reculez. Si tout. Qu'on n'a pas toujours sous la main, notamment celle des basques. Alors que le tir à la corde, beaucoup d'entre vous certainement ont déjà participé. Cela n'empêche qu'à chaque fois, c'est un spectacle. Juste là où là, on se trouve la pierre donc ronde, le bagat de Landerneau. Voilà. Facile comme ça. Là, c'était un échauffement. Hein. Là, c'est ça. Là, c'est ça.
Qui va permettre ensuite, en étant tout à fait en haut, de couper la tranche de bois. Il s'agit de hêtre, si je me souviens bien. Qui est en bas, qui commente la progression de l'autre coupeur, pour ne pas dire l'adversaire, parce qu'on ne parle pas d'adversaire dans nos jeux, on parle d'amis, de partenaires. Et donc, chacun surveille bien sûr ce que l'autre fait pour savoir où il en est. Et là, ils nous font une démonstration de coupe sur une grosse tranche, hein, une belle tranche. Que l'exercice est rendu particulièrement difficile par la pluie, bien sûr. Les planchettes sont extrêmement glissantes et ça nous complique l'exercice assez considérablement. C'était jusqu'à Je pense qu'il a eu une grosse difficulté au cœur du tronc. Il ne suffit pas de partir vite, il faut durer longtemps. Le premier courage en basque. Pour l'hiver, hein. Si vous voulez, on peut vous donner leur adresse. Il y a 12 heures de route en plus pour venir. Le nœud à l'intérieur, c'est un peu dur. On peut les applaudir chaleureusement. Comme il est de tradition avant toute compétition, les lutteurs vont être présentés et vont prêter le serment de loyauté qui sera respecté pendant toute la durée de la compétition. Attention. Mais écoute la roue dans les halles, et tu vas aller à ton palais. Et vive Aïdor, à l'île Mabro. Et tes
Amérique et ça va se faire ensuite en anglais. Tout le monde, grammaire correcte, puis dans YouTube. Exception pour le look à l'excellence. Et ça, c'est un orphée, à l'excellence de la hérée. Le réunion de la hérée, à l'excellence de la hérée, t'as bien le nom, c'est le lèche, de ma quête de parole. Merci au responsable de la délégation irlandaise et au responsable de la délégation du Cameroun va prononcer le serment en anglais. I swear to wrestle with entire loyalty, without treachery or brutality, for my honor and that of my country, in testimony of my sincerity and to follow the custom of my ancestors, I present to my fellow my hands and my cheek. Et du club se serre la main et se fout la collade pour respecter pendant toute cette journée qui va voler les couronnes. Merci messieurs, donc place à la compétition dans quelques instants.